salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison de deux box. Je vous en avais déjà fait une la dernière fois et je me suis dit que ça avait l'air de vous plaire un petit peu. Certes ce sont pas des vidéos qui font 50 milliards de vues, mais dans cette vidéo là je vais vous proposer un petit concours. Aujourd'hui on va comparer deux box, la box Birchbox, j'arrive jamais à prononcer ce nom, et la box qui est encore dans son carton qui arrive, hop, la prescription lave, et on voit que pour cet automne nous sommes dans des teintes exactement pareilles. Alors moi j'adore déjà au premier abord cette trousse parce que je trouve ça trop pratique d'avoir une box dans une trousse. C'est ce qui est le petit hic, c'est qu'en fait ces boîtes je les trouve très jolies, mais je ne sais absolument pas quoi en faire après, à part les mettre dans des tiroirs, des choses comme ça, pour stocker du matériel ou quoi, mais je commence à en avoir une tripotée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux box et vous proposer un concours, donc restez connectés. On va commencer par la Birchbox. J'en ai exactement deux à vous proposer, puisque moi je suis abonnée, oui je paye mon abonnement à la Birchbox. Et il s'avère que Birchbox m'a envoyé une box au mois de novembre pour me faire tester. Et je me suis dit que c'était cool de pouvoir vous la présenter, donc en comparatif avec la prescription lave. Et surtout de vous faire gagner ma Birchbox, celle que j'ai payée. Et garder celle que la marque m'a envoyée. Donc je vais vous présenter d'abord celle que moi j'ai choisie. Et après, je vous ferai, de toute façon dans cette box que vous aurez à gagner, je vous inviterai à respecter quelques conditions, mais surtout à me rejoindre peut-être sur Instagram, et je mélangerai peut-être les produits entre les deux box, ce qui m'intéresse le plus, ou ce qui me paraît être bien pour vous, enfin vous verrez bien. Mais moi ce que j'avais commandé, donc c'est celle-ci. Donc à l'intérieur vous avez un petit papier comme ça, une offre rien que pour vous, avec moins 25% avec un code promo sur le, je pense que c'est sur l'e-shop Birchbox. Sur notre produit chouchou. Et ensuite on a 5 petits produits. D'abord, moi je suis plutôt ravie, on a reçu un savon au charbon, une éponge savonneuse au charbon qui est de la marque Daily Concept. Donc ça c'est un truc que voilà, pourquoi pas, un savon à l'extérieur, éponge à l'intérieur. Alors je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est vraiment bien cellophané etc, mais ça m'intrigue. Donc un savon à l'extérieur et une éponge à l'intérieur, donc ça doit être quelque chose que quand on mouille, ça exfolie, ça nettoie en même temps, enfin ça m'a l'air vraiment pas mal, donc ça je suis plutôt ravie d'avoir ce petit produit là. Ensuite dans ma box, donc je suis plutôt ravie aussi d'avoir reçu ce produit là, c'est le Wonder Brow de la marque Wonder. C'est un gel à sourcils dont j'ai beaucoup entendu parler, et je pense que vous aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça j'ai hâte de vous en parler et de le tester, parce que vraiment je le trouve trop bien. D'ailleurs il a une valeur de 19€, sachant que la box coûte 13€. Donc ça j'étais plus que ravie de le recevoir. Ça, ensuite on nous demandait de choisir entre soit ce pinceau là, soit un pinceau kabuki. Moi sur le site j'ai demandé à avoir ce pinceau là parce que en fait les deux pinceaux ne m'intéressaient absolument pas, que ce soit celui-ci ou le kabuki. J'en avais pas l'intérêt spécifique parce que j'en ai plein en fait. Et donc celui-ci c'est de la marque Steel London, donc pourquoi pas, c'est un pinceau un peu en fond de teint. Vous mettez votre fond de teint et vous le... J'en ai déjà un comme ça dans le même style, il marche très bien, donc je pense que celui-ci ce sera tout à fait aussi bien, la qualité a l'air plutôt pas mal. Et ensuite j'ai eu deux petites miniatures, une de la marque Sampar qui est un masque gomme de nuit, un masque de nuit anti-imperfection, matifie et forme un film correcteur, donc ça, ça peut être ma foi plutôt pas mal pour moi qui ai la peau grasse, enfin mixte à grasse. Et ce deuxième produit qui est un produit pour les cheveux je pense, Leave-in Treatment, donc soin sans rinçage. Hydrate et répare pour tout type de cheveux de la marque Morning Street. Donc ça, les produits capillaires, moi, je suis plutôt pour. En plus, quand c'est des soins sans rinçage, je suis plutôt pour. Donc honnêtement, la box que j'ai reçue pour 13€, elle me comble. Je suis conquise. Il n'y a pas à dire, j'étais plutôt ravie. Donc ça, voilà. Celle que j'ai reçue pour vous, il y a aussi ce petit savon donc au charbon. Donc ça, vous l'aurez pour vous. Il y a le petit kabuki, donc ça je pense que je vous laisserai pour vous, parce qu'il est, il est vraiment petit, après pourquoi pas, c'est un de la marque Birchbox accessoire. Il y a aussi ce soin sans rinçage de la marque Morning Street pour les cheveux, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on nous a mis une crème gommante, gommage doux visage et cou de la marque Absolution, donc ça peut être vraiment cool.
Ça peut être cool, ça. Moi je trouve ça bien d'avoir des petites miniatures de gommage ou de produits pour les cheveux comme ça, parce que ça permet de tester et si on est convaincu de racheter ou de ne pas racheter si ça nous plaît pas. Et alors ça, j'ai trouvé ça vraiment top 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 que dans certaines box ça soit mis. Il faut savoir que ma copine qui commande sa box chez moi, parce qu'elle habite au Canada et qu'après moi je renvoie, elle a eu aussi ce produit là. Donc c'est vraiment même les abonnés, là c'est parce que c'est pas parce que je suis en partenariat ou quoi. C'est une miniature du Clinique Mascara Impact Optimal. Donc je ne connais absolument pas ce mascara. Donc c'est une version noire, hein, ça c'est cool. Je vous montre le packaging, je vais pas l'ouvrir parce que si je vous l'offre, bah, c'est peut-être mieux que ce soit pas ouvert. Donc ça, je trouve ça trop cool. Donc honnêtement, la box de moi-ci pour 13€, je trouve qu'elle en vaut la peine. Elle est ma foi pas mal. Moi je suis particulièrement conquise par celle que j'ai reçue, mais celle-ci aussi est très très bien. Le kabuki, moi j'aurais pas choisi. Donc comme je vous ai dit, parce que vraiment pour choisir entre les deux pinceaux, j'aurais plutôt choisi le pinceau à teint. Mais après c'est selon chacun, ça, ils nous donnaient le choix, donc ça c'est cool. Avec, comme d'habitude au niveau de la vierge box, vous avez un petit catalogue comme ça avec les petites nouveautés, les prochaines box, parce qu'ils font des box un peu spéciales aussi. Donc je pense que d'ailleurs prochainement je vais vous en présenter une spéciale. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ils vous montrent aussi leur petite merveille sur leur e-shop. Ils ont la marque e-Rituals, ils ont un calendrier de l'avant qui avait l'air vraiment pas mal du tout. Mais je n'ai pas craqué. Donc voilà pour Birchbox, vous me direz votre avis si vous êtes plutôt team Birchbox ou prescription lave à la fin de cette vidéo. Et je vous dirai un petit peu aussi les conditions du compte. Pour la prescription lave, on la reçoit donc dans une boîte en carton. Ça. À l'intérieur, plein de prospectus au fond. Donc on a coucou beauté, donc on a même un petit mot. Oulala. Dans une jolie enveloppe. Alors ça c'est... pour offrir, si on veut, il y a la prescription lave, donc à 16,60 au lieu de 19,60 avec le code je craque. Donc là, si on veut offrir à quelqu'un, donc c'est plutôt cool, ce petit principe, pour donner des idées cadeaux pour Noël. On a des petits papiers, donc il y a des jeux concours sur internet pour gagner, pour avoir un tirage au sort, donc c'est à chaque fin de mois, donc là c'est pour le 30 novembre. Je pense que c'est partager une photo de votre box au mois de novembre et puis vous pouvez participer au concours. Et on a le prescripteur, donc ça j'avais beaucoup entendu parler de ce magazine. Et il paraît qu'il est vraiment top, donc j'ai hâte de le zioter un petit peu. Il y a des petites interviews, il y a des petites revues sur des produits, les vanity de Intel ou Intel. Donc ça peut être cool, vraiment style un peu comme le Glamour quoi, en version un petit magazine. Un petit point le fait d'être abonné et un petit point sur le masque anti-stress. Ouh là là, ce masque, il a l'air divin. Là, alors, je sais pas c'est quelle marque, mais je crois que c'est la marque prescription là, mais il coûte 26€. Donc je sais pas si on l'a dans la box, mais en tout cas, il a l'air bien. Donc déjà, gros bon point pour la trousse que je trouve parfaite. Un peu masculine, mais voilà, parfaite. Je la trouve saisonnale, elle est vraiment jolie. Et roulin, tadam. Alors déjà en premier, je vois qu'on a ce fameux masque, donc le masque hydratant anti-stress, fleurs de bleuet et onagre, avec de l'huile d'onagre nourrissante infusée aux fleurs de bleuet. Il est votre nouvelle aromathérapie, donc c'est de la marque Prescription Lab. Et honnêtement, ça c'est top. 99,7% d'origine naturelle pour tout type de peau. Donc ça c'est cool. Alors la couleur, elle me fait beaucoup rire, un peu vert comme ça. Mais alors ça m'intrigue, la texture elle a l'air vraiment sympa. Ah ouais, ça a l'air d'être une texture un peu gel, vous voyez? Ça sent un peu le sapin. Le frais, le menthe. Oh, j'ai hâte de le tester, vraiment. Je pense que dans mon prochain vlog, vous en entendrez parler, que je pense que je vais le tester. Ensuite, un gros produit, un petit produit. On a un état pur, donc un produit de la marque état pur, de la vitamine E, peau fragilisée par le stress urbain. Donc je ne sais pas trop si j'ai le droit en tant que personne enceinte à vérifier, mais donc c'est pour les peaux fragilisées par le stress urbain. 4 gouttes sur l'ensemble du visage utilisées le matin avant la crème. Ça peut être cool. Clinique avait fait, non c'est Clinique ou pas? Clinique je crois avait fait un truc dans le même style que j'avais beaucoup aimé. À base de vitamines aussi, donc ça peut être vraiment cool. Je vais vérifier si j'ai le droit en tant que femme enceinte, parce que s'il n'y a pas d'huile essentielle ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça vraiment sympa. Ensuite on a une miniature comme ça de la marque Biotherm, donc qui a une huile auto-moussante, démaquille et purifie. Donc ça peut être cool pour l'utiliser sous la douche, pour les personnes qui aiment se démaquiller sous la douche. Donc ça, format petit format certes, mais
Mais moi ça me dérange pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la Birchbox, c'est que c'est des choses qu'on va pouvoir tester, et si ça nous plaît, et bah le racheter, parce que des fois on nous offre des grands formats et ça nous plaît pas, et bah du coup on a l'air, voilà, ça sert à rien, c'est perdu, donc c'est dommage. Et pour finir, d'ailleurs cette trousse, regardez, elle est à l'intérieur brillante, elle protège de l'eau, donc ça c'est cool. Et pour finir, un lait de douche de la marque Binature, donc ça c'est cool, 0% parabène, 0% phénoxyéthanol, 0% d'alcool, 0% de silicone, d'huile minérale et de colorant. C'est à base de miel, ça nettoie, hydrate la peau pour tout type de peau. Je ne connais absolument pas cette marque, donc Binature, mais pourquoi pas. Donc, dans cette petite box, nous avons 4 produits et une trousse. Il me manque ce petit cinquième produit. Quand même, j'aurais aimé avoir le petit cinquième produit pour compléter. Peut-être un petit accessoire make-up, un petit truc, un petit liner, j'en sais rien, un truc qui complète. Mais, ma foi, je la trouve très très sympa. On a quand même pas mal de jolis produits, de belles découvertes, des trucs qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire pour le côté cocooning de la peau, se nettoyer, se protéger la peau avec le froid qui arrive. Donc je valide à 100% aussi. Honnêtement, comme toujours, et vous le voyez dans mes vidéos, je ne sais absolument pas quoi choisir et je ne peux pas vous dire si je suis plus team prescription là ou plutôt team Birchbox, parce que dans chacune, il y a des choses qui m'intéressent et qui me plaisent et qui me titillent l'intérêt, donc je ne sais pas. À part que oui, celle-ci, elle a une trousse et que je trouve ça vraiment un gros plus. Les produits sont en full size, quasi tous, à part le petit biotherme, mais sinon je pense que tous ce sont des full size, mais il n'y en a que 4 en tout. Et là vous avez plein de petites miniatures, dont un full size je pense pour le masque au charbon. Et après, les choses à tester sont vraiment sympas aussi. Peut-être, bien je pense que vous devriez peut-être vous tourner vers des trousses aussi, parce que je trouve ça plus sympa et ça sert toujours les trousses. Sur la prescription là, d'ailleurs, j'ai un code promo que je vous mets par ici et en barre d'infos. Tout comme pour la Birchbox, c'est pas un code promo, mais là j'ai un lien de périnage qui vous offre aussi 10 € sur les shops de Birchbox. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire, si vous êtes team Birchbox, team prescription là. Mais moi, je reste conquise par les box et je suis plutôt satisfaite. Faut savoir que même quand j'étais abonnée à la My Little Box ou à la Glossy Box, j'étais toujours contente de recevoir mes produits. C'était mes petits cadeaux dans le mois, donc je trouve ça vraiment sympa dans l'idée. Et c'est une très très belle idée cadeau pour que les gens découvrent pendant un certain temps. En revanche, je trouve que s'abonner à des box, c'est vraiment top quand on s'y abonne pour 6 mois par exemple, mais pas forcément pour 4 ans, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse. Donc pour 6 mois, 3 mois, 6 mois, c'est une super idée cadeau. Pour gagner vous aussi une de ces box, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à me mettre un petit commentaire, et surtout à participer aussi sur les réseaux sociaux pour avoir 2 fois plus de chance. Je sélectionnerai une parmi vous, donc parmi les commentaires sous cette vidéo, bien sûr en me mettant, pas forcément en me mettant team Birchbox, hein, mais vous me mettez votre avis et vous me mettez que vous participez. Si vous me mettez juste je participe au concours, vous ne serez pas du tout sélectionné, hein, je précise. Mettez-moi votre avis, quelle est la box qui vous plaît le plus, et vous pouvez me dire au passage que vous êtes intéressé pour tester vous aussi la box. Et je vous concocterai une jolie box, donc mélangeant un peu tous les produits. Je vous rajouterai même peut-être des choses. Et je vous mettrai une jolie photo sur Instagram et sur Facebook pour aussi aller voir et participer si ça vous dit. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous invite à liker et à vous abonner comme je vous ai dit. Et je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous. Salut! J'ai oublié de vous dire, sur mes yeux, si vous voulez savoir ce que j'ai, eh ben, je vous invite à aller voir un de mes vlogs que je vous mettrai ici. Et sur mes lèvres, si vous voulez savoir ce que j'ai, c'est le gloss miroir de la marque de Estée Lauder, le Magic Opal Liquid Lipstick, donc le rouge à lèvres liquide brillance miroir en teinte 306, que j'aime particulièrement, qui n'est pas du tout collant et que je trouve très très joli.